faire plaisir de neuf. Voilà, forme. On applaudit Magie de Circus, ouais. La patrie. Par contre, les crêpes, tu les fais vraiment la farine la prochaine fois, tu les fais pas la cocaïne. On le tient plus, Magie, on le tient plus. C'est pas Magie, c'est Tony Rich. Non, c'est regardez bien, c'est bien Magie, lève-toi Magie, lève-toi. Buddy Rich était pas aussi bronzé, hein, franchement. Il aimait moins les merguez. Bon, alors bref, je vais vous présenter maintenant notre pupille de trombone. Non mais encore une sifflée comme ça, moi. Sur votre gauche, Gilles. Ouais. Il revient directement d'un concert Séoul, hein, c'est ça? Il revient de Séoul, il était à Séoul hier, il est avec nous aujourd'hui. Bon, il nous coûte un peu chaud au niveau business, mais bon. Après, c'est quelqu'un qui était hier à Séoul, aujourd'hui, au club de Lyon. Oh. C'est le plus jaune. En face de vous, en face de vous, Fabien. Ouais. Ouais. Gilles était à Séoul hier et lui, il était à Gibourg. C'est un Gibourg d'où ? C'est ce qu'on appelle le grand écart, c'est trombone. Ils ont une coulisse énorme et ils peuvent aller de Séoul à Gibourg sans que personne ne se rende compte. Juste derrière moi, et je vais lui demander quand même de jouer un petit peu différemment jusqu'à la fin du concert. Il faut quand même oublier que le président, c'est quand même moi. Je vous demande d'applaudir Stéphane. Et là, tout à l'heure, on vous a parlé de quelqu'un qu'on avait daté au carbone 14. Et bien lui, il n'est plus fixe son instrument, c'est Robin. C'est pas vraiment Robin qui joue, c'est plutôt le trombone qui joue le Robin. D'ailleurs, Robin reste le trombone, il est arrivé, il faut aller se coucher maintenant. Voilà. Par contre, il est venu avec son fan club, donc on va le respecter. C'est effectivement une pièce maîtresse du trombone. Et ça tombe bien, parce que comme Robin est un amoureux éternel, le morceau que nous allons vous interpréter juste après est un morceau qui, en général, nous pose quelques soucis. Parce que pendant que nous jouons, il y a des gens qui ne tiennent plus. Qui ne savent exactement comment se maîtriser. Souvent, la lumière s'estompe. Ils se souviennent que Koun Bézi était quelqu'un d'extraordinaire. Qu'Henri Salvador nous l'a interprété d'une manière très suave. Henri Corning. Et si vous baissez un peu la lumière, je suis sûr que pendant le morceau, des couples vont se former. Vous baissez la lumière, mais pas sur la scène. Un opticien qui voit rien, ça se voit pas. Alors vous interprétez l'île dans le... Pour les gens qui sont là.